Voilà, bilan des tests du sac à dos Tserum 38 litres de chez Vaude, ou Faude, si on prononce à l'allemande. Donc voilà, c'est un sac de randonnée, typé rando, avec cette spécificité des sacs Vaude qui est la légèreté et le portage. Qualité du portage et légèreté, c'est vraiment les deux caractéristiques de ce sac qui est un sac moderne. Avec là, ici, on voit le détail du système de portage et une faculté de régler tout le dispositif. Avec des bretelles et rappels de sarge faciles à mettre en œuvre. Tout ça en nid d'abeille, c'est moderne, quoi, c'est des matériaux modernes. Bon. Les bretelles sont ergonomiques avec ce nid d'abeille là, qui est très bien. Alors, ce n'est pas des bretelles très dimensionnées. Le portage est très bon. Maintenant, je ne pense pas que ce soit un sac qui soit prévu pour des gros portages. Il est facile, je veux dire, on le sent très bien sur la ventrale. La ceinture porte très bien, il n'y a quasiment rien sur les épaules. Ses qualités, c'est cette légèreté, cette qualité de portage. Et des accessoires qui sont très chouettes, comme cette poche par exemple, dans laquelle on rentre en latéral, hein, pas par le dessus. Et comme par hasard, elle est du côté droit, donc avec la main droite, c'est très pratique en marchant d'aller chercher du matos. Voilà. Par contre, il y a un minimum d'accessoires, certainement pour gagner en légèreté. Alors là où je rigole moins, moi, c'est qu'il n'y a pas d'attache-clé. Alors là, moi, je trouve que c'est il faudrait en rajouter. Hein. Moi, j'ai besoin d'un attache-clé. Et puis, il n'y a pas de sangle, il n'y a pas de zip pour aller au fond du sac. Donc, on est obligé, à chaque fois qu'on va aller chercher quelque chose, de passer par le haut. La poche de rabat, elle a une entrée par le dessus, hein, par un zip, et le même compartiment peut s'accéder aussi par le dessous. Donc ça, c'est assez pratique, mais il n'y a qu'un seul compartiment. Cette poche de rabat, elle se clipe avec une seule fermeture. Alors ça, j'aime bien, parce que c'est rapide, c'est pratique, et quand on est dans des situations scabreuses, c'est facile, d'un coup de main, hop, d'ouvrir le sac. Voilà, après j'ai remarqué l'ouverture du sac, étant donné que la poche le tire un peu en arrière, l'ouverture du sac, je la trouve un peu étroite, c'est encore un peu étroit quand même, même si là ça paraît un peu grand, étant donné que la poche part en arrière avec ce système très bien d'ailleurs, hein, ce système de fermeture, voilà, ça c'est très bien en pratique. Maintenant, un peu plus d'ouverture pour y mettre des grosses choses, ça aurait été bien. Ouais. Sinon, c'est vraiment typique des derniers sacs Faude. C'est super léger, c'est un peu austère aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires. J'aurais aimé qu'il y ait aussi des couleurs un peu plus vives, c'est toujours intéressant au niveau de la sécurité si on est paumé, hein, pour les recherches, j'arrête pas de le dire. Et comme accessoire, là, il y a une petite poche sur la ceinture, voilà, rien de l'autre côté. Voilà. Mais c'est un sac super agréable à porter, avec des matériaux modernes. Voilà.